bonsoir à tous et bienvenue. Rachidi Badamassi, Janvier Yarouidéou, Jacques Kayadji, Selami Medegan Fagla, des noms bien connus, et plusieurs autres acteurs politiques de l'arène et soutien de Talon sont désormais ministres conseillers à la présidence de la République. Le collège de 12 a été nommé en conseil des ministres cet après-midi par le chef de l'État. Ce sont des acteurs politiques appelés à apporter leur expertise dans l'action publique de la rupture aux côtés du chef de l'État. Le décryptage est à suivre en ouverture. Monsieur Économie d'Actu, matin des mercredis, notre collègue de Fraternité FM, Jacques Degbé, sacré vainqueur du concours Meilleur enquête des médias sur la corruption. Lui et les autres lauréats ont été primés hier à Cotonou pour leur performance dans le journalisme d'investigation. C'est un consortium de 3 organisations gouvernementales qui a organisé la compétition. Et puis Nati Tengu qui rafle toutes les 4 mises aux différentes finales de la compétition organisée par l'association Les Championnes et Barca. En homme comme en dame, ils ont pris le meilleur dans plusieurs disciplines. Le suspense aura peut-être longtemps duré. Un an après la prise du décret par le président de la République, on connaît enfin les noms des personnalités composant le collège de ministres conseillers. Ils sont 12, les désormais ministres en poste à la présidence, désormais ministres conseillers en poste à la présidence de la République. L'information est tombée cet après-midi à la faveur du Conseil des ministres. On dissèque cette actualité avec Franck Aounou. Bonsoir Franck. Bonsoir William. Vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, je le précise. Et déjà, c'est qui les ministres conseillers et surtout pourquoi un collège? À quoi ils sont dévolus comme mission? Avant d'en venir à leur rôle et mission, William, nous allons parcourir un peu la liste de ces ministres, la liste qui a été rendue publique au thème du Conseil des ministres de ce jour. Ministre conseiller aux affaires économiques, on retrouve Paulin Akponan, ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. Paulin Benou, ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Eh bien, Espedi Kodjo Wessou, nous y reviendrons tout à l'heure pour mieux connaître le portrait de ces ministres. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, retenez ce nom. Medegan Fagla Sedami, c'est bien elle qui sera ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mariam Diaouga Saka, ministre conseiller à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio, qu'on ne présente plus, ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Rachidi Badamansi, l'ancien député à l'Assemblée nationale, ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, comme vous pouvez le voir sur les images grâce à notre réalisateur, ministre conseiller aux affaires publiques, Janvier Yaouedeou, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Malé Deou, ministre conseiller à l'agriculture, Monsieur Saka Kina Bioguera, ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport, à Yibatin, Jonas Rantan. Et puis, parmi ces ministres, William, il y a des noms bien connus du grand public que vous avez cités tout à l'heure. Ces ministres, vous les connaissez, Rachidi Badamansi, ancien député ayant siégé à la 8e législature, qui était par ailleurs le président de la commission défense et sécurité lors de la 8e législature, les membres du parti Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré, Sedami Medegan Fagla, ancienne députée aussi de la 8e législature, membre du parti UP Le Renouveau, Jacques Ayadi, qu'on ne présente plus. Lui, il est le président du parti Moël Bénin, membre de la majorité présidentielle. Claudine Afiavi Prudencio, la dame de fer, qui se trouve être la présidente du parti Renaissance Nationale, membre de la majorité présidentielle. Janvier Yaouedeou, ancien député, très connu pour ses dénonciations sur des sujets sulfureux de malgouvernance, de corruption. Il est aussi membre influent du parti Bloc républicain. Gilbert Déoumalé, lui, il est très connu, surtout dans le monde culturel, pour avoir occupé, géré le Fonds des arts et de la culture. Il y a Espedi Wessou, l'ancien directeur général de la Sonacop, la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Lui, il a disparu un peu des radars depuis un moment, mais il a fait son grand retour grâce à cette nomination au poste de conseiller
de ministre conseiller à la présidence de la République. Gilbert Déomalé, je l'avais dit, il y a deux autres plus ou moins connus, Mariama Diaouga et Paulin Akpona. L'une est promotrice d'une agence de voyage et l'autre acteur politique très en vue dans les collines. Par contre, l'autre dans la liste qui n'est pas trop connue et dont on a eu même du mal à trouver une photo, c'est bien Saka Kinam Bioguera, mais ça ne devrait plus tarder. Les heures à suivre, on devrait vite rechercher ce à quoi il ressemble pour avoir les précisions sur cette personnalité. Justement, quelle est déjà la mission de ces ministres conseillers francs-kaounous? Quelles sont leurs attributions? Parce qu'on sait qu'il y a des membres de gouvernement que nous connaissons. Ceux-ci ne sont pas membres du gouvernement, ils sont ministres conseillers à la présidence de la République. C'est tout nouveau ici dans l'organisation du pouvoir d'État au niveau de l'exécutif au Bénin. Je crois que le décret 2024-006 du 9 janvier 2024 renseigne à profusion sur le rôle, j'allais dire la mission du collège de ministres qui vient d'être nommé au Bénin. Ils joueront un rôle stratégique au sein de l'appareil gouvernemental sous l'autorité du chef de l'État. Entre autres, ils sont appelés, ces ministres conseillers, à contribuer à la définition de la politique gouvernementale. Ils participent activement à l'élaboration des politiques sectorielles, à la préparation des discours politiques, apportent ainsi leur expertise et leur vision stratégique. Ils vont également assurer, William, le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Ils sont chargés de suivre sur le terrain la réalisation des projets, réformes et programmes gouvernementaux en étroite collaboration avec les ministères sectoriels. Aussi, fourniront-ils des conseils stratégiques au chef de l'État en se renseignant sur toutes les facettes d'une situation donnée. Sur une situation donnée, les ministres conseillers sont en mesure de proposer, par exemple, des solutions pertinentes et de contribuer à la prise de décision. L'autre mission phare, c'est de représenter le gouvernement dans certaines instances. Ils participent aux réunions interministérielles et aux activités du Conseil des ministres, agissant ainsi comme des relais entre le chef de l'État et les différents acteurs gouvernementaux, William Clay. Une fonction bien politique. En une, deux phrases, Franck, des attentes du monde politique vis-à-vis de ces acteurs éminemment politiques à ces postes de responsabilité aujourd'hui? À première vue, ces ministres conseillers devraient jouer un rôle purement technique, mais des acteurs politiques, puisque ces ministres conseillers sont issus des chapelles politiques, je crois que les acteurs politiques vont attendre d'eux qu'ils contribuent un peu à la visibilité de l'action gouvernementale, à la visibilité autour des actions menées par le chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à quelques mois de fin de 2026. En 2025, déjà, on va commencer par avoir les grandes manœuvres en termes de politique pour conserver le pouvoir. Et donc, ils doivent apporter une plus-value ainsi à la stratégie gouvernementale et aussi tout ce qui se fait au niveau des partis politiques. Je crois que leur nomination n'aurait pas été peine perdue si, par exemple, au terme du mandat, on voit que les actions du chef de l'État sont plus visibles, on voit que les actions du chef de l'État ont permis aux populations de comprendre mieux le bilan de ces 10 ans de gouvernance. Et donc, ces ministres auront à renforcer la gouvernance à travers un suivi rigoureux de la mise en œuvre, je le disais tout à l'heure, de la politique gouvernementale. L'autre chose qu'il faut rappeler, c'est l'amélioration de la coordination interministériel en participant aux réunions qui vont se tenir dans les ministères, dans des instances de prise de décision. Mais ça, c'est sur papier. Cela étant, on est bien curieux de voir un peu comment ça va se passer en termes de collaboration entre ces ministres conseillers et les ministres qui étaient déjà en poste, qui ont fait un certain nombre d'années et qui avaient leur couloir bien tracé pour savoir quoi faire, quoi dire et quoi mener comme action. Parce que ayant donc des cahiers de charges assez précis, il faut trouver, à mon avis, le juste milieu pour collaborer, pour mieux coordonner les actions du gouvernement. Sinon, ça, on pourrait assister à des conflits d'attribution et ça va déteindre négativement sur les actions
du gouvernement du pouvoir en place. Franck Aounou, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, sur la nomination du collège de ministres conseillers. C'est la grosse actualité politique de ce mercredi ici au Bénin. Vous restez avec moi, vous serez fiers de lui. Il a été votre collaborateur justement. Eh bien, les lauréats du concours meilleure enquête des médias sur la corruption sont connus. Jacques Digbé, justement, Franck Aounou, journaliste du groupe de presse Fraternité. Il vient lui en tête de ce concours en journalisme d'investigation. Il est initié, la compétition est initiée par le consortium organisation non gouvernementale ALCRE, Social Watch Bénin et VNG International. C'est à travers le programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local que cette initiative a été prise. La cérémonie est suivie de la remise des versions des citoyennes du compte administratif 2023 à des communes du Bénin. Teddy Goudalo pour les précisions. Jacques Degbé de Fraternité FM, Joël Sekou du quotidien Le Progrès et Asibavi Amélie Zomadin de Tado FM remportent respectivement les premiers, deuxième et troisième prix du concours médiatique dénommé « Meilleure enquête des médias sur la corruption ». En plus des trophées, ils reçoivent chacun des chèques de 500, 300 et 200 000 francs CFA en guise d'encouragement. Ce concours qui est à sa deuxième édition a été initié dans le cadre du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local, en abrégé Participe ODEL, mis en œuvre par le consortium ALCRER, Social Watch Bénin et VNG International, avec l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Permettez-moi de saluer l'initiative de l'ONG ALCRER qui, par ce concours, met en lumière l'importance d'un journalisme courageux, un journalisme qui éclaire, qui questionne et qui dérange parfois. Je voudrais saluer l'initiative d'investigation journalistique sur le fléau de la corruption, rentrant dans le cadre des formations que la HAV a déployées dans l'année 2025 en ce qui concerne les formations, pour mettre l'accent sur les formations diplômantes et les formations qualifiantes, notamment la version de la spécialisation qui est chère à notre corporation. La HAC va s'y engager. Cette célébration du journalisme d'investigation est couplée avec la remise officielle des versions citoyennes du compte administratif pour le compte de l'année 2023 à quatre communes. Il s'agit de Porto Novo, Semepodi, Abomey-Calavi et Soava. Version citoyenne pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir une lecture claire sur les budgets de leurs différentes communes et de savoir quelles sont les priorités. Et il me tient à cœur de remercier très chaleureusement les autorités de ces communes pour l'engagement et pour la bonne gouvernance. Ces représentants des communes bénéficiaires de cet outil sont appelés à exposer ces différents supports qui renseignent sur les prévisions et réalisations au profit des citoyens. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, sensibilise les énarques au sujet des manifestations de la corruption. C'était à l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi cette semaine. Les administrateurs civils en devenir ont débattu des ramifications du phénomène avec la causerie débat tenue ensemble avec le haut commissaire à cette étape de la série de rencontres avec les jeunes en marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Virgile Arrodeillon et Jocelyn Barriga. Le slogan du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, repris à l'unisson par ses étudiants comme une mise en condition et un engagement à l'entame de cette causerie débat. Un moment d'échange interactif entre les initiateurs de la rencontre et des apprenants sensibilisés ici sur le trafic d'influence,
le favoritisme, l'abus de confiance, la concussion, bref, sur l'ensemble des différents visages que présente la corruption dans notre société. Je pense que ces initiatives peuvent nous permettre, nous, la couche juvénile montante, à mettre fin à la corruption parce que ceci est un frein au développement durable et je pense que nous devons admonester ceux qui pratiquent cette corruption. Il est attendu de ces étudiants un changement de mentalité à tous les niveaux. En tant que relève de demain, ils se doivent de prendre en compte dans leur quotidien la culture de l'intégrité et dans leur vie future, la quête permanente de la transparence. Un peu plus tôt dans la journée, la délégation conduite par Jacques Migan était au lycée Koulibaly pour la même cause. Nous avions compris désormais que si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait que nous passions par nos enfants, les jeunes. Et demain, nous serons à l'école primaire de Ouidah pour recommencer le même exercice. Et cet exercice, nous le ferons sur toute l'étendue du territoire. Une série de rencontres initiées en faveur de la jeunesse pour donner du contenu à la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce 9 décembre 2024 sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Dans le monde des affaires, le Bénin et le Togo se donnent la main pour mutualiser leurs efforts autour des échanges commerciaux. C'est une initiative des chambres de commerce et d'industrie des deux pays qui ont conçu un programme régional d'intégration des marchés agricoles. Pour une mise en œuvre efficace de ce programme, les membres des deux chambres consulaires se sont donné rendez-vous au Bénin pour une première rencontre régionale de 3 jours à Grand Popo. Le point avec Narcisse Alosset et Florent Dou. Un programme régional d'intégration des marchés agricoles voulu pour donner une autre dimension aux échanges commerciaux entre le Bénin et le Togo. Les chambres de commerce et d'industrie des deux pays donnent corps à ce projet pour consolider leurs relations. Les exigences du marché à l'international sont complexes et cela nécessite également un formatage. C'est pour ça que l'intégration régionale qui est devenue une réalité pour nous, doit nous amener à penser autrement. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Nous devons travailler, mutualiser nos efforts. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'inscrit également dans la même dynamique que celle du Bénin pour accompagner donc le tissu économique agricole des deux pays. La dynamique est donc à la mutualisation des efforts pour une production agricole plus accrue et une diversité dans les échanges commerciaux entre ces deux pays voisins. Et pour une mise en œuvre efficace de ce programme, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture, les membres des deux chambres consulaires se concertent ici à Grand Popo sous les yeux des gouvernants de leurs États respectifs. Ce projet a tout intérêt pour nous d'être élaboré et d'être exécuté dans la mesure où les réalités sont les mêmes, les marchés frontaliers sont les mêmes. Donc, il est important que ce projet soit mis en exécution et que les partenaires de part et d'autre se connaissent. Aux opérateurs économiques des différents secteurs d'activité présents, je vous exhorte à une participation active à cette rencontre à travers des échanges d'expériences et au développement de partenariats forts pour contribuer au développement économique de nos deux pays. Entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que cette première rencontre régionale est organisée. Pendant 3 jours, les participants auront à définir les axes de collaboration opérationnelle, à faire le point des actions entreprises et à formuler des recommandations dans le sens d'améliorer l'implication du secteur privé. Véronique Tony-Follet marque d'un saut particulier les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans le Septentrion. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance était à Parakou
dans le cadre de cette campagne entamée le 25 novembre dernier. Tour à tour, l'autorité s'est rendue au lycée des jeunes filles et à la base d'appui des artisans. Elle a également participé à plusieurs autres activités, comme nous allons le voir sur ces images de Jacques Degbé et Socrate Adantolé. C'est par ces échanges avec les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Parakou sur le concept Agbazati que Véronique Toyifodé a démarré cette journée de sensibilisation. Pendant environ 2 heures d'horloge, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, accompagnée de la vice-présidente de la République, la présidente de l'Institut national de la femme et les autorités politico-administratives, a expliqué à ses apprenants l'importance de protéger leur corps. Ici au lycée des jeunes filles de Parakou, il ne doit pas y avoir de grossesse précoce, de grossesse non désirée, parce qu'il y a des moyens de prévention. Quand je suis arrivée ici, je vous ai entendu et le premier slogan. Vous avez dit que vous voulez être comme nous. Vous voulez être comme nous. Mais le parcours, il est difficile. Pour être comme nous, il faut se préparer dès maintenant. En protégeant son corps. La campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG à Parakou s'est poursuivie avec une séance sur les lois protégeant les femmes et les filles à la maison de l'artisan à Parakou. Si nous sommes là aussi donc aujourd'hui, c'est pour clore les 16 jours d'activisme qui portent sur les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Dans quel but? Dans le but de sensibiliser toute la communauté, aussi bien les femmes que les hommes, pour que ces violences à l'égard des filles, des femmes, cessent réellement. S'en sont suivies une marche à travers les rues de la ville et un géant concert à la place Tabera, toujours pour appeler à une prise de conscience individuelle et collective sur le phénomène des VBG contre lesquels l'État et ses partenaires mènent une lutte implacable. Au terme de la marche, les participants ont livré plusieurs messages clés. Femmes, les violences faites aux femmes et aux filles nous avalisent et violent la jouissance de nos droits. Engageons-nous pour lutter contre ce phénomène. Les hommes du Borgou et du Bénin sont engagés pour la promotion des droits des filles et des femmes et pour la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Je suis artisane et je suis pour la lutte contre les violences. Les 16 jours d'activisme contre les VBG, démarrés depuis le 25 novembre, s'achèvent le 10 décembre 2024 et s'inscrit dans le cadre des actions de la plateforme juridique du projet Suède pour favoriser l'autonomisation des femmes et aussi prévenir les questions de violence à caractère sexuel. Afin que notre Bénin vive, parce que les femmes béninoises vivent et vivent dans la paix, dans la sérénité et vivent dans un pays où elles se sentent en sécurité, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur lieu de travail, que ce soit au marché, où qu'elles se trouvent, qu'elles se sentent en sécurité, à côté d'hommes protecteurs. Riposter et se reconstruire après la violence, c'est le thème de cette édition 2024 des 16 jours d'activisme contre les VBG. Elle est organisée conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme, avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Dans cette même veine, la dynamique Tcha, conduite par Christelle Rondonoubo-Alioza, était au Collège d'enseignement général 1 de Boïcon pour informer et sensibiliser les apprenants à propos des violences faites aux femmes. Le groupe de femmes prend ainsi pleinement sa part dans la campagne de ces 16 jours d'activisme contre les VBG. Les échanges se sont étendus aussi à l'épineuse question de santé du cancer de sein chez les femmes. Y mettent Hélène Amoussou et Georges Vaudouma. La dynamique Tcha joue les prolongations dans la célébration du mois d'octobre rose après Porto Novo. Le groupe de femmes leaders était à Boïcon, au Collège d'enseignement général 1 de la ville. Christelle Rondonoubo-Alioza et ses alliés sont allés sensibiliser les apprenants. Avec l'aide d'un docteur, jeunes garçons et filles de cet établissement ont été entretenus sur le cancer de sein et surtout comment faire pour prévenir la maladie. Les élèves ont suivi la présentation avec beaucoup d'intérêt. Ils ont mieux compris le cancer du sein et appris comment on fait l'autopalpation, le dépistage, la mammographie qui font partie des moyens de prévention de la maladie. Une maladie cancéreuse, dont le cancer du sein, plus tôt elle est détectée
et plus elle a la chance d'être guérie. L'autre thématique ayant meublé les échanges porte sur les violences faites aux femmes. En plus de les informer et de les sensibiliser, l'objectif visé en abordant le sujet est de faire de ces apprenants des ambassadeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Dans leur milieu d'apprentissage, de vie et partout où ils passent désormais, ces élèves sont appelés à porter le message. Aujourd'hui, dans notre pays, les violences qui sont bien connues, c'est surtout les violences conjugales. Et donc, certainement que plusieurs enfants ont été témoins des violences exercées, peut-être par le conjoint sur la conjointe, le père sur la mère, et peut-être aussi la mère sur le père. Mais nous sommes venus fondamentalement leur dire que et hommes et femmes, les deux sexes doivent cohabiter. Cohabitation et que même ces violences peuvent s'opérer et s'observer même dans les établissements, dans les salles de classe où les garçons à des moments donnés veulent exprimer leur suprématie sur les jeunes filles. Et donc c'est au bas âge que ces pratiques-là commencent. Et donc nous sommes venus dans un cadre d'éducation. Ici, l'auditoire est composé des responsables de classe de la 6e en terminale, de l'équipe de direction de l'établissement aux apprenants. Tous saluent l'initiative et avouent avoir énormément appris des différentes communications. Je remercie vraiment Madame Christelle Ndongo parce que vraiment j'ai vu en elle une femme forte. Je souhaiterais être comme elle parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont admises à faire ce qu'elle vient de faire. C'est une séance, c'est une journée qui nous a apporté beaucoup de nouvelles informations et nous aurions souhaité que régulièrement elle passe nous entretenir la jeunesse. Nous avons près de 4000 élèves. C'est heureux que des structures comme ça, la dynamique t'a. Pense à nous, que la dynamique chat soit avec nous. Il faut qu'elle revienne encore, parce que là, c'est juste un petit nombre. Il reste beaucoup d'autres élèves qui ont besoin aussi d'être informés. Organisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la rencontre a été suivie d'une séance de dépistage initiée au profit des apprenantes du second cycle. Le ministère de la Santé a réceptionné hier un important lot de matériel médico-technique et roulant. Le geste vient du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, dont le souci est justement d'accompagner le Bénin dans l'amélioration de son système sanitaire. Un don évalué à plus d'un milliard de francs CFA. Ingrid Den nous fait le point de la cérémonie de remise des matériels. Améliorer les prestations au niveau des structures sanitaires du Bénin. Tel est l'objectif du gouvernement béninois qui ne cesse d'opérer des réformes dans ce sens. Une dynamique qu'accompagne plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour la population qui vient une fois encore réaffirmer son soutien au gouvernement à travers ce don de matériel médico-technique et roulant. Ces matériels, équipements et produits de santé acquis sur le budget 2023 comprennent, entre autres, 95 concentrateurs d'oxygène, 75 tables d'accouchement, 15 tables d'examen, 126 lits d'hospitalisation avec matelas, 44 autoclaves de 24 litres, 37 ventouses obstétricales, 191 kits d'AMIU, 50 000 comprimés d'azithromycine, 250 mg, 5 oxymètres de poule, une ambulance et un véhicule de supervision destiné au département de l'Atlantique. Il y a aussi 8 moto-ambulances pour appuyer les références vers les centres de santé au niveau communautaire. Nous avons 32 motos pour les agents de santé communautaire qualifiés. Plus d'un milliard de francs CFA, c'est le montant déboursé par l'UNFPA pour acquérir ses équipements et produits de santé. Ceci grâce aux contributions des donateurs tels que la firme pharmaceutique japonaise Takeda, le Royaume des Pays-Bas, le Canada et le Fonds thématique pour la santé maternelle. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'excellente qualité de la coopération qui existe entre le ministère de la Santé et l'UNFPA et surtout votre flexibilité qui permet de réceptionner également des intrants adaptés aux besoins. Quand vous avez énuméré la liste, je me disais, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Vous avez énuméré tout ce qu'il faut pour faire de la priorisation de la santé de la mère et du nouveau-né une réalité.
Je voudrais donc vous remercier pour votre accompagnement dans notre volonté d'améliorer la détection et la prise en charge des hémorragies du postpartum immédiat qui constituent une priorité majeure si nous voulons réduire la mortalité maternelle et prétendre atteindre les objectifs du développement durable 3. Bien plus qu'une remise d'équipement, cet événement symbolise la vision partagée d'un avenir où chaque femme enceinte et chaque nouveau-né au Bénin auront accès à des soins sûrs, rapides et efficaces et pour que personne ne soit laissé de côté. On finit avec le tournoi de basketball et de handball de l'association Les Championnes et Barca qui s'est achevé en beauté. La compétition a été initiée dans le cadre du projet Connecter les jeunes de l'Alibori et de l'Atacora autour des centres de jeunesse réhabilités. Les quatre finales ont eu lieu sur les aires de jeu de la Maison des Jeunes de Natinengou. À l'affiche des équipes hommes et dames de basketball et de handball de Natinengou, face à des équipes de Tanguieta et de Materi, au terme des différentes confrontations, ce sont les équipes de la cité des Nantos qui se sont imposées dans toutes les disciplines. Alassana Rounan pour le reportage. Sur les 32 équipes de l'Atacora ayant pris part au tournoi de basketball et de handball hommes et dames, initié par l'association Les Championnes et Barica sur financement de LRI Créative USAID dans le cadre du projet Connecter les jeunes de l'Alibori et de l'Atacora autour des centres de jeunesse réhabilités, 8 équipes, dont 4 équipes féminines, prennent part à cette finale. 3 équipes hommes et dames de Tanguieta et une équipe de Materi au handball venues ici pour défier les équipes de Natinengou sur leurs propres installations. Sont pour vous. Elles visent à vous inspirer et à vous donner des outils pour grandir et renforcer les liens entre vous. Continuez à pratiquer le sport, non seulement comme une compétition, mais aussi comme un moyen de construire un avenir meilleur. En cette journée de finale, je vous invite à jouer avec passion, discipline et respect. Que cette journée soit un moment de fête, de fraternité et de dépassement de soi. Après une rencontre âprement disputée entre Swagger Basket de Natinengou en rouge et Flèche Noire de Tanguieta chez les hommes, ce sont les locaux qui parviennent à s'imposer sur le score de 32 à 28. Même tendance au handball homme, où les Flèches Noires de Tanguieta tombent devant la ténacité des Faucons de Natinengou. Avant les confrontations entre les hommes, ce sont les dames qui ont ouvert le bal et au terme du temps réglementaire, la hiérarchie a été une fois encore respectée avec le sacre des équipes de Natinengou devant celles de Materi au handball et de Tanguieta au basketball. De fait qu'on a perdu, on ne se fâche pas, mais on va montrer à nos amis qu'il y a toujours la paix, même si on a perdu, il y a toujours du courage. On va continuer par prospérer. On est en joie, on est tous en joie parce qu'on a gagné, on a atteint la finale. On a eu le trophée, mais une fois dans nos localités, on va véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. En plus du trophée remporté par les 4 équipes victorieuses, chaque équipe finaliste repart d'ici avec un jeu de maillot plus ballon et des kits scolaires. Paris gagné donc pour l'association Les Championnes, Barica et l'USAID qui, à travers ce tournoi, ont su inculquer les valeurs de paix et de cohésion sociale à ces jeunes qui devront les transmettre à leurs communautés respectives. Merci d'avoir suivi ce journal. Agréable soirée.